Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www.congomasolo.com. Comment il bosse en Angaï, compte tenu à la sensibilité à bateau, n'a pas collecté en temps ou la été. Les alignes de Konabiso congolaise, Autico Tikabiso, n'a combo ya maman Odette, maman, moi si Alibaïla, Bautico Bomaye, n'Afrique du Sud, Awa, Namibi, Azalaki na shop naye, Bakote Leban, ba jeune garçon Misato, Batie Mbeli, à Gangi, mais c'était trop tard à Senyaki Mingi, Autico Tikabiso. Ezali pas si peu mawa. Peut-être, pour la restitution de sensibilité à bâton, on a eu un temps où on a été. Bonne analyse. Merci. À nos abonnés de Congo Dialogue, salut à vous. J'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Boloa Josué dans vos petites camps pour un nouveau numéro. Qui, ce numéro, nous plaît pas, bien sûr. Nous avons vraiment ces tristes nouvelles de vous annoncer la disparition de l'une des nôtres, une sœur congolaise, sous le nom de Maman Odette. Sous le nom de Maman Odette, vivant ici en Afrique du Sud, à ce que les informations que nous avons reçues dans nos groupes WhatsApp, l'incidence s'est arrivée au niveau de la ville de Johannesburg. On vient de perdre une de nos sœurs, une maman, une femme mariée qui a laissé les enfants suite à une attaque des Toti, comme on dit ici, des Kuluna, des Toti, des jeunes garçons qui sont entrés dans son magasin cherchant l'argent, pillant, mais comme la dame n'a pas pu leur donner l'argent, et ils lui ont ravi la vie, ils l'ont la poignardé, on l'a massacré. Et notre sœur a perdu la vie. Et c'est vraiment très triste la vie que nous menons ici en Afrique du Sud, en tant que diaspora, en tant qu'étranger, congolais surtout. Et nous sommes vraiment ciblés, nous sommes victimes de plusieurs attaques ici en Afrique du Sud. Là aussi, nous vivons juste par la grâce de Dieu. C'est vraiment une triste nouvelle. Je crois que je vais vous balancer la personne, son ami, qui a vécu cette expérience, qui a vécu cette scène, qui est horrible, et je crois que je ne resterai pas compte tenu des mesures que des fois YouTube nous interdisent. Je ne saurais pas vous montrer la face, mais du moins juste à côté de votre image, vous allez voir la scène de notre sœur qui est allongée avec plein de sang tout autour d'elle, qui vraiment nous fait très mal. Donc la communauté congolaise pleure une de notre qui vient de perdre sa vie, laissant son mari et ses enfants. Alors je vais juste balancer cet audio qui son amie à elle a vécu cette expérience et comment cela s'est passé. Et suivez. Dans mon lit, les gars, la bagnole, les rails, maman, triste, vie bonne, y'a qu'on a bien, n'est-ce pas, bien, maman. Aïe, à fond, le shop, à l'aise, un colo business, qui est un petit peu, qui est un shop, voilà. Y'a à côté, qu'on a un shop, mais après, qu'on a un côté, un shop, on a un amour, là, il est en temps. Banana, y'a mi-yibi. Basalaki misa, tu n'as pas de bon baliki. Eh, baliki, après, bah, zongi, le soussou, y'a salaki, y'a zarana, get stay. Après, il y a un moment où on va aller à côté de Ned Baba, il y a un petit peu de bâle, il y a un petit peu de après, il y a un moment où on va aller à la statue, on va aller à la conteneur de Maman Odette. Et on va aller à la donc, on va aller à Maman Odette qui a attendu. Au secours, Zizelle, Maman Christophe vient à coucher. Après, Zizelle, Maman Odette vient à coucher. Maman Christophe vient à coucher. Na kati sana kete na moni ba na moni ba wona bazana kati yo ebi awa moena ngati na bandu bele do seko asimanto na bandu bele somebody help de air baye nesko na bandu bele bisa basomali ba na lobali kutute basomali oto za kana ba na bandu bele somebody help ba konwa ba kom de lesa ngori asimanto melaki donc
ne quoi moi si à l'obige à l'obige à l'obige les gens qui coûtent appareil ne serait qu'un monde choc nanga à l'obige à l'obige baboninga à l'obige nanga maman triste vie n'a pas fini dans ça les soutenir dans au coufa ma côte à l'obige nanga ma côte mais ici nanga la pèse à l'ombre à l'obige nanga l'ombre côté babanjo kata nanga machette donc de quoi n'abuse à moi si à coufi à mubesu à coufi à mubesu à saline le côté ma côte nanga chef à l'obige à pèse à l'ombre à l'obige nanga l'ombre côté babanjo kata et donc tu éviter éviter. Bino a président na biso ya biso ba forêt na awa bozo le vélo côté surtout ya biso akongolé bo le baké le côté. Bozala ki awa na ma comité akongolé bo le baké to 550 ba to 550 to ba no sala sala to ba no 550 ba diren photo za na ba deto ye ba ningi to goto bele le président pas sur biso. Ba diren ba no to pesa ba diren pe bo le ba rapé le côté. Musala makama malunga ezo mona ke. Président manda ko ti donc e ba te bele to sa ana South Africa to fana katika ka to fana. Bona na mbongo wa transport ya ozo kongote pona zana nga namona ninga ko bandila tena bana nazo mbongo a transfer nazo ngizate mais ceux qui atta avion a pamba oyo atindeli biso ango alebike oyo monike ne kuna na South Africa zo ko katemu kuna mtu zonge pana bino to kozonga na biso donc to mona ninga tongi ninga to kuju ko lobate kabila zala ki wala meme likam yebe a koti ka meme likam donc to mona to za donc awara mboko liboso er mbuto azala ki bato bakota kala na mboko baba na pesa bango bani po mais OK mais biso awa to sana biso na valeur mboko te pa pesa biso valeur to sana na mikanda bien te bana biso to tanga ba classe na pasi OK ne robeti sa ba mikanda ya mabe ya mabe mabe wana po mwana kota classe donc to ebite nde kwa mwasi akufi ya mbeso atiki bana misatu atiki mwa bana misatu mobali na ya sala ka secret ba ne kutazonga kinamte o msusu wana ba kina class ba kina kina ba bazongi na class te atika ki ba ona nda ku bangona bango donc ne kwa mwasi akufi ya mbesu alobi na mama triste vie parce que ngambo ngala mina na mbongo te ba bani bala ko sala ba makamu na bango bazina ba pareil bazina bi ko nzoto ba ke donc ba proida ya biso ya ba combattant botale la biso le kaboyo to za donc mal à l'aise protection à tam ke examen. Voilà, chers abonnés de Congo Dialogue, vous avez suivi l'audio en question de Mama Christivi, si je bien prononcer le nom Mama Christivi, qui a vécu la scène de la perte de notre sœur Mama Odette, qui a laissé 3 enfants et ainsi qu'un mari. Et le mari est au travail et la femme, comme vous savez, elle a son magasin, et en ouvrant le matin, les 3 jeunes garçons, des brigands, s'il faut appeler, qu'on appelle des totes ici, hein, bah, côté lié dans le shop. Alors, ils ont voulu chercher de l'argent. Alors, la femme n'avait pas l'argent parce que c'était très tôt. Et puis, ils se sont décidés de pouvoir, exterminer la vie de cette maman. C'est vraiment triste. Alors vous avez suivi, la femme est là, trop jeune. Si quand je vois les photos juste à côté de chez vous là-bas, je ferai tout pour ne pas vous montrer le sang qui est à côté là, juste par au cœur sensible en fait, au cœur sensible. C'est vraiment très bizarre. Alors en suivant l'audio ou l'interpellation de Mama Christine, à ce que je demandais, ça s'est assez passé au New Johannesburg, je ne sais pas quelle ville. Je vais aussi suivre tous ces dossiers et demandant si mes frères et soeurs, consoeurs et confrères qui soient à Johannesburg pour chercher un peu la scène, c'était où, dans quel quartier, dans quelle avenue et comment, et la communauté congolaise de l'Afrique du Sud. Je demanderai bien sûr au président Charlie Mingeni, Papa Basile Kanda, ainsi que certains leaderships de communauté congolaise en Afrique du Sud pour un peu suivre ces dossiers, parce que c'est vraiment très sensible. Nous ne pouvons pas accepter que nous puissions perdre nos nôtres. Hein, comme ça, des hommes, des femmes, et on a tellement enterré. Nous avons déjà la pandémie qui frappe, qui vole, qui tue nos frères et sœurs. Et dernièrement, on vient de perdre beaucoup de docteurs, beaucoup de médecins. Ici à Cape Town, on vient de perdre la femme d'un médecin. Elle est aussi médecin, mais là, elle a perdu sa vie. On va bien sûr l'enterrer ce week-end ici. D'ailleurs, le week-end passé, notre frère, ami et grand frère Covery. Papa couvrir au deck au Tikabiso. Donc il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés, et alors vraiment on déplore cela. Alors tamia tababa covid dans mon ngezo bomaka, mais ya boepena mutazana makasi ya koluka vinaye.
cherchant quand même à se débrouiller pour sa famille et ses enfants, et les brigands, les Toti, Baraviri et Vi. Alors, nous demanderons, solliciterons l'assistance de la communauté congolaise en Afrique du Sud. Botala quand même, Likambo, Yobo Kita sur le terrain, Bolanda Bosala Banquette, Boye, si c'est possible, la police a intervenu, n'a intervenir de façon que, Luka Kameba, brigand, on a ce qui est la peu possible à quoi arrêter Bango, Baleka sous les barres. Alors, présent Charlie, je sais que vous êtes fort en cela, même ici à Cape Town, il y a la communauté congolaise, il y a les groupements, n'est-ce pas, société civile, nous déplorons des tacs de tels actes et aussi nous sollicitons la prudence, n'est-ce pas, na biso ba congolais, tous à la vraiment prudent. Ceux qui n'andela par exemple et surtout que couvre-feu au banda 21h ou même pendant la journée, vous savez que toi pendant la pandémie et mpia que ezali économie za nasi alors bana mboko balinga komela masanga alors bakangi masanga bakangi babar donc bana méchant ko sakanate. Donc vous comprenez que tout il y a pauvreté zo matale sous davantage et crise zo matamaka, alors ils sont capables de tout faire, n'est-ce pas, pour na ko ravi kakata ne fiske verendo pamba direndo yo on peut te tuer sur le téléphone, au cas où tu rencontrais de telles incidences, nous conseillons toujours les gens, téléphone, bon, wallet, si bako zoa. Mais ceux qui ont une telle résistance, bako bomba, on peut battre pour la mindou qui se promène avec des armes, ils se promènent avec des knives, des couteaux, tout ça. Alors, ils peuvent te ravir la vie sans pitié, hein. Parce que eux, leur objectif, c'est qu'ils puissent avoir les téléphones, bah, qui étaient quand on a, peut-être moins de $10, moins de $5. Pour que bas aura masanga, bah, mela, bah, somba, bah, cigarette, bah, mela, bah, diamba, tout ça. Donc, c'est possible. Nous demandons aussi la vigilance à nous, les Congolais, là où nous sommes, partout où nous sommes. Et le couvre-feu commence à partir de 21h, même pendant la journée. Soyons toujours prudents et éveillés. Alors, j'ai suivi aussi l'audio de la maman. Elle s'est plaint, l'autorité, nos autorités congolaises. Bon, je crois que chacun, quand même, est libre de pouvoir savoir comment, si ça ne tient pas, tu prends des mesures. L'ambassade est là, tu prends quand même d'autres mesures, aucun ambassadeur. Moi, je n'arrive plus à vivre dans ces pays à cause des ABCD. Je compte rentrer. Je crois que l'ambassade est là avec un service bien approprié pour les rapatriements des étrangers. Ils peuvent aussi organiser votre retour. Donc, c'est un peu ça. Mais dis-moi, tant que les Congolais, tant que les Congolais, là où les gens des médias, nous demanderons toujours la prudence et puis d'être éveillés, surtout dans la période de la pandémie. Oyo, ba misa les athées, ba kangi ba bar, ba kangi ba masang, les autres kamatel, ba namboka, surtout ba miyibi, ba za vraiment éveillés partout. Ça est là. Sinon, nos condoléances à toute la famille. Comme je l'ai dit, au cas où j'ai d'autres détails, des informations sur le mari, les enfants, ainsi que le quartier où la scène a eu lieu, je ne manquerai pas pouvoir vous le diffuser ici sur Congo. Alors voilà un peu une triste réalité que nous avons connue. Tout un père d'ailleurs, notre soeur, notre maman, une femme, un marié, laissant 3 enfants. Bah, côté là, qui n'a shop naïe, ils sont entrés, cherchant l'argent, le voisin en bon côté. Bah, massacré, bah, papier, bah, embelli, et puis bon, bah, bomi, bah, kena, bah, rompé, n'ambo, rompé, bah, zupété. Et ça passe. Voilà des commentaires à faire, des suggestions. N'hésitez pas à nous écrire au numéro qui sont dans le bas de vos écrans. Sinon, merci. Moi, c'est Boloa Josué. Facebook, c'est Josué Boloa. Alors, contactez-nous et nos WhatsApp sont là. On est là pour pouvoir vous informer et vous former aussi. Merci, abonnez-vous sur notre chaîne Congo Dialogue et n'hésitez pas à partager la vidéo. Je ferai un effort de voir si c'est possible, le visage pourrait être visible. C'est Maman Odette, son amie c'est Maman Christine. Maman Christine Yende Azali Apesibiso Audio Oya Apesibiso Sangou Yaliwa ya Maman Odette Oya Otikotika Biso. Peut-être elle peut être votre soeur, une connaissance. Alors, Sugi Boyebi peut-être Bosinale. Batouke, non, notre maman Christine Azala qui est victime à Batoti en Afrique du Sud. Condoléances à toute la famille. Merci et restez connectés, branchés sur Congo Dialogue pour un autre prochain numéro. Bye. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement.